Les gars, il est où Tariq? Ça fait un moment, il m'a dit qu'il est arrivé, là, je sais pas où est-ce qu'il est. T'as pas de nouvelles, Sunday? Bah non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, moi, je dis, ça fait 10 mois qu'on l'attend. Viens, on improvise un truc. Tu veux qu'on fasse une vidéo? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Ah, j'ai peut-être une idée. Je suis preneuse. Allez. Eh, hey, Théma, Senda, t'en penses quoi? Ça c'est le fait ou pas? Parfait. Eh, hey, ils bon y verront que du feu. Allez, c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est trop de boulot, j'ai mal au dos. Bon, ça faisait longtemps. On va recommencer les vidéos et aujourd'hui, j'ai un magnifique FXRT à vous présenter. Un FXRT de 1986 dont on s'est occupé. Et il y a pas mal de petites pièces à vous montrer. Tu fais pas la gueule, j'espère. C'est à Star City qu'on arrive. Là. Ah c'est à Star City qu'on arrive. Regarde, je me fous pas de ta gueule et j'ai même une surprise, tu vas voir. Allez, c'est parti. Comment que ça va? Bah, ça va et toi, Tariq? Ça va, Gaëtan, ça va? Nickel. Avec, avec ce temps magnifique là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, les gars. Oh, comment ça se fait engueuler? 8 mois, putain. Alors, on avait plein de choses à faire, on reviendra là-dessus un peu plus tard. J'espère que tout le monde va bien, nous on va super bien. Gaëtan qui nous a ramené, c'était ça la surprise Ben, c'est pour ça que j'ai mis du temps, je roulais comme un déreinté. Et tu t'es fait péter. Je me suis fait péter. Elle fait, hey, elle rigole pas celle-là. Ouais. Gaëtan il va nous expliquer un peu. Celle-là, c'est un lowrider S, hein, c'est ça? C'est ça, c'est un lowrider S de 2021. 2021, quand tu la vois, on dirait pas un Milwaukee 8, hein, t'as vu? Moi, la première fois que je l'ai vu, je suis resté un moment dessus comme ça, j'ai fait, waouh, putain, mais c'est un Milwaukee 8. Et pourquoi je lui ai demandé de venir? Parce que bah, je voulais présenter le lowrider S qu'on a fini, et celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment, parce que le niveau de finition est assez extrême. Ouais. On peut pas déroger. Là, j'ai rarement vu un niveau de finition pour un amateur. C'est-à-dire, c'est tu ne l'as pas fait en garage, c'est ça, il se l'est fait lui-même. On est sur une réplica. Sur une réplica, ouais. On est sur une réplica. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. L'idée, c'était de partir le plus proche de ce qu'on pouvait avoir sur un FXRP. FXRP, c'est comme la moto qu'on a descendue tout à l'heure. Exactement. Enfin, avec cette bulle. Cette bulle, on va y revenir avant que j'oublie. Qui fait cette bulle? Alors, c'est Deviane Fab. Ouais. Au Liban. Au Liban. Voilà. C'est comme quoi. J'ai écrit ça et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de surprises. Il a fallu entièrement tout adapter pour que ça puisse réellement fonctionner. Voilà. Donc, du coup. Notamment mettre les. Tout ce qui était clignotant, il a fallu tout faire, c'était pas prévu. Il y a tellement de choses à dire sur cette moto qu'on va... Sur les deux de manière générale. Sur les deux, ouais, sur les deux, mais celle-là, il y a vraiment beaucoup. On va partir, bon, à la base, on sait, le Rider S. Est-ce que tu as fait une prépa moteur dessus? Est-ce qu'il y a un stage 1? Actuellement, il n'y a pas encore de stage 1. Il n'y a rien du tout. C'est prévu par la suite. Je vois un... Stock. Elle n'est pas entièrement stock, il y a quand même un filtre haut débit. Et puis, il y a... T'as un Jekyll dessus, un échappement Jekyll à valve. Les nouveaux, 2 en 1, très sympa. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Qui sont catalysés et tout, donc ils sont homologués. Mm. Donc, c'est parfait. Donc, niveau moteur, on a ça. Niveau partie cycle, est-ce que t'as fait quelque chose sur la partie cycle? J'ai juste changé les amortisseurs arrière, en fait, voilà, pour gagner en stabilité. OK, parce que tu me disais tout à l'heure que... Tu voulais pas envoyer trop de tuning dessus, type Behringer, type Brembo, pour coller au maximum au... L'idée, c'est qu'on ait l'impression qu'elle sort d'usine avec la partie police
C'est vrai que il pourrait avoir cette moto aux États-Unis. Ouais. Moi, je kifferais être policier aux États-Unis, rouler en leur Ryder. Ils ont, j'ai vu ils ont des Road King, ils ont des Electra, des Electra, ouais. Road King. Au Mexique, ils ont beaucoup, ils ont des Road King les mecs. Ceux qui FXR anciennement. Les FXR. Beaucoup. Ils avaient des, je me souviens pas, c'est une petite aparté, mais ils avaient une japonaise avec une bulle un peu comme ça. C'était une Honda. C'était une Honda. Kawasaki. Kawasaki. C'est une Kawa. Ouais, c'est un KZ1000. Ah putain, KZ1000, c'est, il est où Arnold? C'est ça que t'as refait toi, KZ1000? 1300. C'est énorme. On la voit dans le film Hypertension de Jason Statham. C'est cette fameuse moto. On revient sur elle. Donc, la bulle faite au Liban, ça. Ça, c'est Harley. Enfin, c'est... cela. Enfin, je veux dire, au niveau de. Les optiques par eux-mêmes, c'est les optiques à Harley. Par contre, ça, ça vient aussi du Liban. Et il a fallu les adapter, en fait, parce que c'était. Je vois de la impression 3D. Ouais. C'est incroyable. Impression 3D. Alors, derrière, tu as les valises. Mm-hmm. C'est les vraies. Mais t'as dû adapter pour un ouais, softail de maintenant. Ça revient au final, c'est FXDP. FXDP. Donc c'est à Dyna Police. Il y a eu une Dyna Police. Et après là-bas, vous allez voir, t'as toute cette console avec tous les boutons. T'as mis, t'as les gyros. T'as un gyro à l'arrière. T'as la sirène. La sirène qui fait un bruit, frérot, c'est un délire. Le Lowrider S, là, le 128, il fait beaucoup de bruit. T'imagines comment elle a couvert le son? Incroyable. J'ai vu que t'as aussi la CB. Ouais, en fait, non, c'est pas la CB, c'est le porte-voix qui va. C'est avec, le porte-voix de ça. C'est une sirène. Oh, j'ai où sur le côté. Enfin, plus tard. Moi, je suis un vrai bâtard. C'est vraiment le son qu'on a. Son américain. Et elle a une petite histoire, c'est qu'en fait, on m'a raconté que tout le bloc que j'ai pu avoir au niveau de la sirène, ça provenait de la police de New York. Voilà, donc c'était un petit truc. Mais en moto 90. Mais c'est police moto. Ouais, c'est, police moto, okay. Années 90. Trop bien. Parce qu'ils ont ça sur les voitures, ils ont ça sur les bateaux, ils ont ça le... Et t'as plusieurs tons de sirène. Ouais, il y a deux tons. T'as le... Bah... Là, j'ai aussi le pas, j'ai aussi le klaxon. Le klaxon, c'est une voix, ce klaxon. Ah, on dirait elle hurle. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà pour camoufler tout le faisceau de tout ça, là, j'ai vu que t'as ce truc Motorola. Là. C'est une vraie caisse. Ouais, c'est une vraie caisse Motorola qui est utilisée normalement pour la CB. Ils ont tout dedans. Il y a tout dedans. Là, au final, il y a les relais dedans. Et l'antenne blanche, c'est une vraie antenne. C'est une vraie antenne, pas de police. Pas de police. Là, au moins, j'ai la radio. En fait, l'idée, c'était que tout ce qui était installé puisse fonctionner et soit fonctionnel. Ça ne soit pas juste un truc pour décorer. Non, elle est assez ouf. T'as mis combien de temps à la faire? Au final, j'ai dû mettre environ 6 mois. Après, il y a eu des aléas où j'ai vraiment dû attendre très longtemps, notamment avec... La partie des jantes, en fait, qu'il a fallu les faire diamanter, ça a pris beaucoup. Oui, parce que ça, de c'est des jantes de Lowrider S classique qui arrivent full black. Ouais. Et donc, elles arrivent bronze, oui. Ouais. Ouais, parce que moi, je les ai mises full black là. Et il y a le Lowrider S 107 qui les a comme ça, lui, si je dis pas de bêtises. Le Lowrider S qui est avec du chrome et tout. C'est ça. Donc, t'as pas réussi à trouver un standard de jantes. En fait, le problème, c'est qu'on va avoir un seul disque sur les... Ah, ils ont qu'un disque, comme les Sport Glide. Ouais. Comme le Sport Glide. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis deux disques au Sport Glide. Dans Glide, il y a... Vous avez prévu autre chose, peut-être? À l'OS. C'est vrai. Et du coup, 6 mois, c'est incroyable. Les gens, ils vont se demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tu fais quoi dans la vie? Parce que... Moi, je suis chercheur en psychologie cognitive, neurosciences. Neurosciences. Voilà. T'as compris que le gars, psychologie. Psychologie, ouais. Cognitive. Tu sais, c'est le mec qui te met dans un fauteuil, il te branche un milliard de trucs comme ça et il est tous. Le petit singe.
Tu sens avec les cymbales qui fait des saltos. C'est, ouais, c'est des putains de boulot, ça. Et ouais, 6 mois, c'est, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce que... alors, 6 mois, lycée, ou c'est plus longtemps à cause de délais de pièces et tout. 6 mois lycée, 6 mois. 6 mois d'assemblage. Au total, après, j'ai eu des périodes d'attente. Ouais, par voilà. exemple, pour la peinture, bah, ça a pris 2 mois. Pour les jantes, ça a pris 3 mois. La recherche mois. De pièces, j'imagine voilà. que c'est long aussi. En fait, j'avais mis un an, plus d'un an, avant de commencer à récupérer toutes les pièces. Tu sais, quand je t'ai vu arriver la première fois, je pensais que c'était le police que tu avais. Le FXRP que tu avais chez Oli. Ouais. Et quand je suis. Tu sais, quand il est arrivé. On les a restaurés. Il y a eu une période de restauration où on était. Et en même temps, en train de bosser dessus, on va dire. Chacun de son côté. Un petit moment, ouais. Et par contre, t'as pas le police, toi, ici. Marqué non, nulle part police. Non, j'ai pas voulu mettre police. On a quand même le vrai logo. Le vrai logo, là, de, on dirait un logo shérif, un peu. C'est ça. Une étoile. Et donc, qui correspond bien exactement à ce qu'on pourrait avoir si c'était donc, de la période des années 80. Parce qu'il y a une histoire de si tu marques police, quand tu te fais arrêter, faut que... Déjà, c'est pas une carte grise. Déjà, c'est pas une carte grise de police. Et en plus de ça, toi, c'était une vraie police qui avait une carte grise police. Un historique. Non, pour le coup. Tout à fait. Le FXRP que j'ai refait au sein de Holy Death Shop était une vraie. On salue d'ailleurs. Salut les boys. était un vrai import de police qui a fond qui a. Qui était en fonction et il y a un historique. Elle a fait son service en Floride, il me semble, dans les années 90-91. Putain, voilà. Elle a dû en arrêter du chicanos. Et on parlait tout à l'heure du poids que tu as rajouté, ouais. Parce que moi, j'ai l'habitude de mettre des fairings comme ça. Je rajoute une enceinte. Des fois, je mets un petit ampli Rockford et. Ouais. Et on est sur un petit 20 kilos, un truc comme ça. Après, ça dépend, parce que tu peux les avoir en carbone. C'est tu peux très léger, en fait. Les légères, c'est en ABS. On a gagné en légèreté par rapport à ça, de c'est la un fairing en version ABS, du coup. Du coup, c'est réparable. ce qui est quand même... ce qui était bien, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses à refaire, vraiment sur la partie esthétique. Les ajustements, les finitions, tout ça. Toute la partie finition. Ouais, tu m'as montré ça. Alors, là aussi, tu l'as changé. Il faut qu'on s'attarde sur l'intérieur du cockpit parce qu'il y a vraiment énormément d'inserts. Sur le cockpit, ouais. Je vais te demander qu'on échange de place, comme ça tu vas me parler un peu de... Ah, tu me connais par cœur, ton cockpit. Bah, oui, c'est moi qui reste là et que je te pose des questions. Je vois, t'as Ox, Ox 2... Ouais, donc ça, c'est pour m'indiquer si je mets les phares anti-brouillard, ou alors si je mets l'avant au niveau des gyros, ou... On peut se faire une petite démo? Ou l'arrière. Ouais, il faudrait juste la mettre en fonction. Donc là, voilà. Si je m'amuse, je fais ça là, comme ça. Ouais. Tac. Si je mets Aux 2, ça va être le gyro. Le gyro derrière. Voilà. Ah, et pas celui de devant. Non. Et si je mets. C'est au centre. Aux 1? C'est ça. Aux 1, c'est les phares anti-brouillard. C'est les. C'est l'anti-brouillard. Ah, c'est des. C'est pas les clignotants, ça? Alors, si, ils sont en running light. Du coup. Ok. On est. Comme aux US, ça reste allumé. Ouais. Exactement. Et t'as quoi? T'as Pure, c'est quoi Pure? C'est ça, Poursuite, c'est pour ici. Voilà. Poursuite. Exactement, Poursuite. Poursuite. Ah ouais, là. Poursuite. Ça va, lui, tu sens qu'il est sage. Moi, tu me donnes ça, mais j'arrête des gens. Moi, je vais. Moi, j'arrive. Oh, je vais vous surécoter. Oh là là. Tu ferais pas des dingueries, toi, avec ça? À deux doigts d'être désagréable. Ah, je serais un vrai bâtard, moi. J'arrêterais tout le monde. Il y en a beaucoup. Tu pourrais carrément parler. Hein? Tu pourrais parler, vu qu'il y a un porte-voix. Ouais, mais il est magnifique, le porte-voix. Et tu le décroches vers le haut? Non, ouais, vers le bas. Tu pousses. Tu pousses? Voilà. Un, deux. Putain, tu vois, les bruits et tout, c'est... C'est les US. C'est les US, frérot. Alors, là, je regarde, t'as mis la musique aussi, quand même. Ouais, il y a la musique. C'est des enceintes marines, un truc comme ça. Enceintes marines, c'est du kicker. J'aime bien, moi, ce que t'as fait, c'est les deux compteurs, comment tu les as incorporés avec les deux petites, les petites LED et tout.
Et j'en suis sûr que tu as mis un Kenwood et ils ont un Kenwood, non? Ouais, en fait, c'est une très très bonne qualité. Hein. Et pareil, l'ampli qui est derrière, c'est donc 400 watts. En fait, ça fait 200 watts RMS. On peut claquer un coup. Mais la cassette, bien, mais la cassette claque un coup. Mais la cassette claque un coup, putain de merde. Ah la vache. Et du coup, là, on parlait, je vais finir sur ta petite problématique, c'était quand madame veut monter derrière toi, c'est ça, t'es obligé de la mettre en l'air. Elle est alors gravote. Là, c'est pas prévu actuellement, mais dans l'idée du projet, c'était qu'on puisse, parce qu'en fait, tu pourras regarder, il y a de quoi retirer et remettre. Voilà. Ouais, il faudrait un truc qui se débranche, un faisceau. Soit faire un faisceau qui se débranche, soit déplacer le faisceau et le mettre dans une sacoche. À voir. Voilà. Actuellement, c'est bien propre, il y a tout qui est... Il y a des trucs où t'as... Sur quoi t'as vraiment galéré? Un truc qui t'a vraiment... Ça paraît pas. Trouver le Harley Davidson Police, c'était extrêmement compliqué. Ah, parce que c'est un vrai celui-là. Incroyable. C'est un vrai de Road King, je pense. Non, c'est un vrai de Dyna. Ok. T'as mis du LED? Ouais, ça c'est LED. Ça c'est en LED. Et tu voulais pas rester en ampoule ou un truc comme ça? Genre pour faire le. Ils sont en ampoule. Moi je voulais quand même garder en bonne visibilité et en fait ça change tout. Ouais, les démakers, c'est le top. Hein. Ah les démakers, c'est le top. Les démakers, c'est en bois. Là, on est sur le fil largement. GW speaker, donc en fait, on a quand même un truc qui est propre. Qui est pas mal. Tu comptes faire quoi dessus? C'est quoi tes prochains... Le prochain, ça va être rigidifié, donc la fourche à l'avant. Mais en gardant, l'idée, en fait, c'est vraiment de garder les petits capuchons de fourche marqués. Les petits capuchons Harley. Les petits capuchons Harley, ouais. En gros, qu'on puisse pas voir, en fait, qu'il y a des... Là, je pense que la galère à la conduite, c'est le poids de la bulle dans les virages ou au freinage. Hein. Elle doit vachement plonger. Hein. J'ai mis beaucoup de poids derrière. Donc en fait, ça va équilibrer. Je suis à peu près à 35 devant et 40 à l'arrière. Donc. Putain, ça rajoute du poids. Hein. Sent-il le truc hein. Bah écoute, en tout cas, félicitations. Ça faisait un moment que je voulais... Je voulais que tu nous la présentes, celle-là, parce que je la trouve parfaite. Je la trouve parfaite. Très, très beau projet. Ouais, très, très beau projet. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui me dise « Ouais, je veux la même. » J'aimerais bien en faire une comme ça. Bon, et si on passait à une piraterie maintenant? Un petit détail. Ah, dis-nous si j'ai oublié quelque chose. En fait, c'est mon peintre qui s'est occupé. Donc, en fait, c'est peintre. Au final, c'est Tim Scholar, en fait, donc, qui a fait toute la peinture. Tu dis qu'il s'appelle Tim Scholar, en fait, qui est à Scholar. Il a super bien travaillé sur. En fait, là, c'est pas un sticker, c'est de la peinture. Au pochoir. Ce qui fait que c'est assez remarquable ce que ça peut donner. Ouais, c'est vrai que la peinture, on n'en a pas parlé, mais elle est très belle. Et, pas mal. Pareil, tout ce que tu as mis là, elle est. Les caoutchoucs et tout. Franchement, elle est très très réussie. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Félicitations. Merci. Beau projet, ouais. Ce que je veux dire là-dessus, moi, c'est que c'est un projet actuel. On est quand même sur une forme de moto actuelle, mais t'es pas sur dans la partie performance. T'es sur des club style et les club ouais, style. Ouais, on est quand même dans le club style quand même. Ouais. Voilà. On passe à celle-là. 114, le Rider S, comme le tien, à peu près la même année. Là, l'idée, c'est d'être plus dans la haine. Dans la haine de ne plus s'arrêter, d'être dans... Là, on est sur la partie bandit. Là, on était sur la police, là, de l'autre côté. C'est un peu plus voyou. C'est ça. C'est une moto qui est venue chez nous avec déjà une petite prépa. Elle a été faite chez Atelier 03. Qu'on salue. Et quand elle est venue chez nous, on a tout remanié. Donc, on va le faire en trois parties. La partie cycle, le moteur et l'esthétique. Moteur. Alors, moteur, on est sur un stage 4 SNS 128. Kinch. 128, ça fait 2 litres, je crois. Un petit peu plus. Donc, je disais, stage 4, cartographie, échappement et admission. Stage 2, arbre à cam, poussoir, tige de culbut, pompe à huile,
Qu'est-ce qu'il y a? Cylindre piston, culasse préparée. Ça, c'est stage 3, voilà, avec l'admission. 4, voilà, avec l'admission complète. Pas que le filtre à air. Là, on a toute la, on a la CNC de chez SNS. Tout le module avec les injecteurs. Module. On a les culasses préparées. Les, là, on est sur un stage 4, salade tomate-oignon. Salade tomate-oignon, embrayage renforcé avec Easy Clutch. Pas mal. Et une carte aux petits oignons. Une carte aux petits oignons. Donc, le tout... On veut des chiffres. Non, je donne pas de chiffres. Je donnerai pas de chiffres. Mais sachez qu'ils sont assez élevés. Mais je donnerai pas de chiffres. Vous... Celui qui veut l'acheter aura les chiffres. Ah ! La fiche de banc. La fiche de banc. Il y a un kitchen dessus, donc un kitchen fait par... Performance Machine. Exactement, qui reprend la Demu... D'origine. D'origine. À la différence, c'est que ben là, t'as une réponse... tout de suite entre le vélo et la roue. Mec, elle est instant. Tu l'as essayé, je l'ai essayé, je roule avec. C'est... C'est l'avantage et le désavantage d'un kitchen, c'est... Exactement. Plus de réponses, mais plus d'entretien. C'est un porno, frérot, elle chasse dans tous les sens. Hein. Je me suis vu chasser en troisième en accélérant comme ça, c'est un délire. Du coup, pour ça, ben, on lui a changé les gommards. J'étais obligé de changer aux gommards. Donc nous, on est sur Roustec. Marathon, Metzeler. Alors pour la partie cycle, on a modifié les suspensions avant-arrière. Donc on est parti sur du all-ins car c'est ce qui se fait de mieux. Haut de gamme. Vois, haut de gamme. On est sur du haut de gamme en all-ins. Sur le haut du panier. Et on a mis une cale. Codeline. Exactement. Partie cycle. Donc all-ins à l'arrière. Voilà, all-ins à l'avant avec un kit cartouche. Donc on n'a pas changé la fourche parce que bon, elle est déjà inversée. D'origine, ouais, c'est une fourche inversée de base. Elle est déjà inversée de base avec. Donc là, on est sur un interne kit cartouche all-ins. Exactement, NX30, exactement, avec une configuration que tu leur demandes, c'est au niveau du poids pour le fairing. Et pré-réglé, elle arrive pré-réglée, pré-réglée par exactement. Rapport au pilote. Et après, tu as tous les réglages classiques. Oh ! Ta gueule, sac à crotte. Non, non, faut pas dire des trucs comme ça. Après, je me fais insulter sur les réseaux. Ils détestent les chiens et tout. C'est vrai, la dernière fois, il m'a pourri la dernière fois. Non, mais la dernière fois, il m'avait pourri. Sale. Non. Ah. En plus, ils sont trop mignons. Viens, Choufi Food. Non, mais ils sont trop chers. Oh là là. Je vous présente Maloun. Jeune renard de Roumanie. C'est une Roumaine, hein. Elle s'appelle Aloun, ça veut dire cacahuète en roumain. Elle est très gentille. Et bien... On s'en bat les couilles, Tariq. Elle est trop mignonne, mais franchement, là, un peu d'amour. Alors, un petit Mitch. Un petit Mitch roumain. Et mon fils. Qui s'appelle? Ça va, c'est la petite minute, c'est l'interlude. Il s'appelle Lewis. Lewis. Donc, on en était à NX30 à l'avant. On a également... qu'est-ce qu'il y a? Non, regarde, hein, ah. Alors, la fourche d'origine arrive avec deux étriers Harley axial. Donc nous, bah, on sait qu'on aime bien travailler Behringer, donc on a mis du Behringer de partout. Hein. Tout ce qui est orange sur la moto, c'est du Behringer. Donc double radial avant, 6 pistons plus 6 pistons, ça fait 12 pistons. Exactement, avec des disques en 320, donc d'où les petites cales. Et tu sais, t'as une cale... qui te permet de passer de axial à ouais, cale, la conversion, cale ouais. De conversion. Donc, que je trouve très joli, tu vois. Ça fait très agressif le freinage comme ça quand ils sont vraiment énormes, les étriers. On a peint les jantes en noir. Parce que tu sais, elles arrivent une sorte de bronze bizarre, là. Tu ne suis pas très fan. Wrinkle bronze. Wrinkle bronze. Niveau partie cycle, je pense que c'est bon. T'as pas parlé du GPR en vrai? Non, j'ai pas parlé du GPR c'est encore. Quoi? Là, je vais en parler tout de suite. Tu veux que j'en parle tout de suite? C'est comme tu veux. On a installé un GPR. Tu gardes le chien tout le long de la vidéo, genre? Quoi, il te dérange? Ouais, je l'aime pas, moi. Il te fait enculer, c'est mon fils. X. Un GPR qui est... Un amortisseur de direction. Exactement. Sauf qu'il fonctionne pas comme les amortisseurs de direction classiques avec le vérin. Donc là, il se fixe sur la colonne de direction. Exactement. Et l'autre partie se fixe sur le châssis. Et il y a une espèce de petit éton qui durcit. Donc, et du coup, bah, tu as le réglage qui se fait avec une molette.
plus tu tournes, plus c'est dur. Là, on est là, cet outil-là, le GPR, c'est plus pour un confort de conduite et pour éviter toutes les nuisances type guidonnage, mouvement. Parce que guidonnage, quand tu commences à guidonner là-dessus, tu chies dessus. T'es sur un, tu te fais vraiment peur. Et surtout, celle-là, comme elle marche très fort, bah, elle a tendance à cabrer, tu vois. Donc, l'avance déleste un peu. Et tu sens tout de suite au guidon que ça danse. Hein. J'étais sur Béringer, qu'on a en bas, mais également en haut, sur les mètres cylindres. Tout à fait. Tu vois. On est sur des ensembles complets, levier, mètres cylindres. Exactement, cocotte, plus cocotte. Alors, cocotte, t'es obligé de démultiplexer la moto. Donc, c'est un vrai travail. Et du coup, bah, t'as un boîtier de démultiplexage, donc on démultiplexe que le setup. Les commandes. Exactement. On voit strictement rien. On voit rien du tout. Strictement rien. Tu vois. Alors, t'as une ergonomie qui change, tu vois, donc faut que tu t'habitues. Mm-hmm. Mais sinon, c'est super léger. Ouais, ça change. C'est super sport, par contre. Tu vois. Béringer jusqu'aux cocottes. Jusqu'au levier, jusqu'au mètre cylindre. Il nous accompagne jusqu'au bout. Béringer, je rappelle, c'est une marque française qui, à la base, est dans l'aviation. Béringer, pour la petite histoire. Et qui sont diversifiés dans la moto, voiture. Et on est sur un freinage très haut de gamme. Tu le vois, hein, comment c'est taillé. Ah bah là, c'est reconnu mondialement. C'est usiné, c'est magnifique. Et c'est efficace. C'est ultra efficace. Moi, du coup, là, on a fait une prépa. Il y a eu une prépa moteur de réaliser dessus. Mais il y a qui dit puissance, dit freinage aussi. Moi, automatiquement. Nous, ici, sur Andrea Coben, on travaille même le freinage avant de travailler le moteur. Parce que, tu vois, si tu changes le freinage, ben, naturellement, tu vas rouler plus vite parce que la moto s'arrête. Tu vois. Donc, je finis sur la partie cycle avec le setup. Donc le setup OG, original garage, taille et masse. On est sur du 10 pouces, sur une grosse config. Il est grand le client, tu vois, il voulait que ça... Back. Ouais, 10 pouces full back, méga agressif. Avec ce que j'aime, c'est que c'est pourquoi je les ai choisis. Parce que j'arrivais pas à trouver un double compteur en hauteur comme ça, type Dynasport, tu vois. Et la seule possibilité, c'était de me poser, bah, tu sais, avec le... La fixation d'origine, et j'aimais pas parce que bah, c'est une moto très récente, tu vois. Et du coup, le setup qu'ils ont réalisé est génial. Maintenant, on peut le trouver chez Cross aussi maintenant, mais chez OG. Donc voilà pour la partie cycle qui est à mon goût quasi parfaite. Tu vois, à moins de. Qu'est-ce que t'en penses ? Quel Gaëtan ? C'est impressionnant de voir tout le setup qui a été fait quand même. C'est clair qu'en termes de freinage, on voit qu'on peut vraiment bien freiner. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça aussi en Supermode, si je ne me trompe pas. Ouais, Supermode. Beaucoup utilisé dans la compétition Supermode, tout à fait. Supermode. Ouais. Et maintenant, bah, je leur fais un petit coucou. Je les ai vus au Salon de Lyon. Ils se déclinent dans le vélo maintenant. Okay, ils ont sorti des vélos type DH et tout. Et tu vois le freinage qu'ils ont sorti, absolument magnifique, même beaucoup. Et il se décline dans plein de domaines, ouais. Et même dans la moto, ils continuent d'innover. Ouais, ouais. Ce que j'aime, c'est que c'est une société à tu sais, c'est appareil énorme quand tu vois de l'extérieur ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Mais ils sont hyper accessibles, tu vois. Et quand tu leur demandes quelque chose, eh ben, ils sont prêts à innover pour ta demande, tu vois, sur un support. Tu vois, ils sont à l'écoute vraiment et c'est vraiment intéressant de travailler avec eux, tu vois. Et moi, je sais que c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur et puis ils sont réactifs, ils sont... si t'as besoin de conseils et tout, franchement, c'est une super marque. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en termes d'esthétique, c'est quand même super beau avec tout en... C'est tout. Les petits rappels, ouais, ça. On a ouais. Vu. T'as plein de couleurs chez eux. Bah là, c'est du orange. Il y a du orange. Là, on a commandé du violet, là, dernièrement. Le bleu est magnifique. Le vert, j'aimerais bien le faire, moi, le vert. T'as les noirs, chromés, polis. T'en as titane. C'est vraiment. Et si tu veux t'éclater et faire quelque chose avec de la couleur ou quoi que ce soit, bah, tu sais, il y a beaucoup de club style où ils envoient vraiment de la couleur. Bon, celle-là, elle est un peu dark. Elle est vraiment un peu,
un côté un peu bad boy, tu vois. Déjà, il n'y a pas de rétro, donc tu as compris que le gars, il se retourne jamais. C'est vrai que je n'avais pas remarqué. Il n'y a pas de rétro. Ça se voit pas immédiatement. Il y a une option rétro, mais on a mis des petits bouchons à la place. Et ouais, donc, partie esthétique, Ben. Donc, sur la partie esthétique, on a greffé une bulle type FXR, tu vois, comme pour rappeler ces motos-là, tu vois. Des années 80-90, quoi, exactement. Exactement. Cette bulle, c'est une Rix. La bulle, c'est une Rix. On a associé dedans un setup, j'allais dire, des Baja Design, tu vois, que ce soit au niveau des clignotants, des entrées d'air. Et le phare principal, un LP6 jaune, ça éclaire, hein, ça envoie vachement. On a même teinté un peu la vitre à l'avant, tellement ça éclaire fort. Je crois que tu as même un module de réglage. Mais si tu veux, si tu habites à la campagne et que tu veux être à l'aise, tu prends ça. Il fait jour la nuit. Tu as même une version laser où ça éclaire à plus d'une borne et tout, tu es comme les feux. Là, on est vraiment sur de la compétition. Rechercher quelqu'un là. Tu vois les trucs. Comme dans les hélicos. Il y a du son dessus, pareil, des enceintes marines. Ce qu'on a aimé faire aussi, c'est, tu vois, à la base, tu as les deux compteurs qui sont là et tu as une console centrale, tu vois. Nous, on a lissé la console, tu vois. Et donc, tu as un bouchon, c'est un vrai bouchon d'essence, l'autre, c'est un leurre, tu vois. Et j'aime bien parce que ça lui donne un côté assez plat. Et ça rebique derrière, ça dégage vachement. Le seul truc, c'est sur un gros freinage, tu peux vraiment ranger tes couilles dans le guidon. Dans la petite pochette devant. Classique, hein, celle Seidelmann. Celle-là, je ne sais plus son nom. Step Up, je crois. Step Up Diamond, référence 10-30-20-52. Sur Parts Europe. Du coup, il y a gel à l'avant et gel aussi pour le passage. Et gel à l'arrière, ouais. C'est... Seidelmann, c'est un équipementier de sel depuis très, très, très longtemps. Depuis toujours. Eux, moi, je sais que quand je fais de la route, c'est vraiment de la bombe. Alors, t'as l'impression que c'est... Il y a des modèles confort aussi. Il y a des bois. Encore plus. T'as des modèles, c'est des fauteuils. Hein. T'es vraiment bien dessus. Hein. Non, c'est vraiment, vraiment stylé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? T'as cette couleur, tu vois, t'as cette espèce de bronze. Alors, c'est pas le bronze du Low Rider S, c'est un autre bronze qu'on a appliqué sur les culasses, qui est également, tu vois, sur le petit cache... bobine, ici. Le petit cache bobine qu'on a mis sur les covers, tu vois, là où il y a le Harley 128. Tu l'as aussi, je crois, de l'autre côté sur... Tu l'as pas. Ça reprend aussi sur nos derniers voies avant, ouais. C'est ça. Donc c'est une moto type club style. Donc, je rappelle les codes du club. Un club, c'est une moto. À la base, c'était sur les FXR et les Dyna. Donc l'idée, c'est vraiment d'accroître les performances de la machine. Donc c'est pour ça que... Sur le plan performance moteur et confort. Et le but, c'était de faire de la route longtemps. Le but, c'était de faire de la route et que ça marche fort. Bah, le club, ça vient des clubs de moto les là-bas. Déjà, c'est... Et c'est eux qui modifiaient leur FXR pour pouvoir tracer déjà. La partie cycle pour pouvoir prendre de l'angle et tout. Donc après, les codes, c'est ce fameux T-bar, un 2-en-1. Pour pas se faire arrêter par la police. Exactement. Et du coup, la police avait un club style, elle aussi, tu vois. Et ben, c'est ça. Hein, c'est qui, il ça s'est... Ouais, bouclé, on a refermé la boucle. On a refermé la boucle. Ben, voilà. Et donc, du coup, celui-là, Softail, nouveau Softail avec un seul amortisseur, tu vois, et pas les deux sur le côté. Et je sais plus ce que c'est. Donc, du coup, cette moto... Club style ou not club style ? Club style. Titre ! Titre club style. On n'a pas mis les valises derrière, tu vois, on voulait vraiment qu'elle soit un peu pure. On a juste mis un crash bar, au cas où tu te crashes. Mais... Il n'y a pas de crash bar à l'arrière. Non, pas de crash bar à l'arrière. Pour que ça soit plus fin, c'est ça qu'on voit plus avant. Moi qui roule avec les crash bars
avec et sans, je le sens vraiment. Tu vois, le Dina que j'avais présenté sur une autre vidéo, je vous la mets là, la vidéo. Je vous la mets là. Ou là, je sais pas. On va la mettre là. Ce Dina-là, il a crash bar, tu sais, avant, arrière, en haut et tout. Et ben, quand tu roules avec, tu sais, quand tu commences à prendre un virage, arrive un moment, tu sens que ça tombe. Et c'est vraiment... moi, je suis pas fan. Je préfère ne pas en avoir du tout. Parce que moi, je le sens vraiment. C'est lourd, un crash bar. Un bon crash bar. Pourquoi tu tombes pas? Je tombe pas, moi. Touche ma tête. Voilà, mon fils, touche ma tête. Parce que j'ai trop peur. Non, moi, j'ai un... Attends, il me fait les crottes des yeux. Et toi, Gaëtan, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu plais, la moto? Ouais, est-ce qu'elle te plaît, cette moto? Franchement, Non, moi, j'ai... Bah, tu... Putain, Gaëtan, est-ce que... Moyen, je... Enfin... Moyen, il n'y a pas assez de blanc, il n'y a pas de giro. Bah, c'est ça. Non, bah après, c'est les, non, les... Franchement, moi, j'adore. Après, c'est vrai que le seul truc qui me choque, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est l'absence, en fait, qui est pas de crash bar à l'arrière, mais sinon, moi, c'était juste ça. Ah, c'est juste le crash bar à l'arrière? Ouais, moi, bon, c'est juste ça. Après, moi, j'adore. C'est totalement à l'opposé de ce que j'ai fait. Après, dans le top style, en fait, il y a tellement de choses. Et c'est pas non plus... On passe pas en plus sur du performance. On va tout changer. On reste quand même sur... Alors, je suis d'accord avec toi, mais niveau perf, on a tout changé. Il y a, après, à part sortir le bloc et mettre un bloc complet préparé. Le nouveau, tu vois. Niveau moteur, elle envoie. Après, vous pouvez aller jusqu'à l'alléger au maximum. Après, carbone. Après, c'est une question de budget, tu vois. Après, oui, on peut très bien envoyer du carbone de partout, jantes carbone et tout. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients, tu vois. Mettre du carbone en haut. Tu vois, pour alléger la moto, je dis pas. Carrément des jantes magnésium. Carbone, vraiment, même carbone, mais tu dois carbone, faire attention. Tu vois, là, moi, je suis en train de monter des jantes carbone sur le Dina qu'on prépare. Je sais qu'au moment de la vente, le mec, je vais lui dire de faire attention. Parce que s'il revient avec la jante fissurée, ouais. Tu vois, c'est ce genre de détail. Là, mais ce que j'aime bien, c'est que ça reste quand même vraiment tous les codes qu'on retrouve dans le Club Styles. Donc, c'est vraiment sans trop. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de performances, mais c'est pas arrivé juste à vraiment tout changer. Oui, on n'est pas sur les... C'est que j'aime vraiment sur ce type de customisation. Moi, ce que j'aime, c'est que bah, déjà, elle est plus rassure, tu vois. Mm. Elle est plus rassurante, elle freine très fort. Elle répond, c'est un scalpel sur la route, tu vois, malgré le poids d'une Harley, parce qu'on rappelle, ça reste une Harley, ça c'est lourd, tu vois. Quand tu changes la partie cycle à ce niveau-là, tu rentres dans des virages, enfin, cette moto, tu prends, moi, pour moi, hein, tu prends RT chez BM, je suis. J'arriverai à te suivre, tu vois. Parce que on est sur. Okay, T'es sceptique? Ah, je me... Non, mais dis-moi, est-ce que t'es sceptique? Un petit peu. Un petit peu. Tu vois qu'il y a des Brésiliens de 7 ans en tongs qui arrivent à tordre des JS et des RT. Ouais, bah oui. Non, mais le... Je la roule pas en short. Moi, je la roule en short. Je la roulerai en short et cet été, je vous ferai une vidéo où je serai en short. En espadrille. Non, ce que je veux dire, la partie cycle et le moteur est tellement poussé. C'est ça qui me plaît, moi, dans cette moto, au-delà de l'aspect esthétique et du club style. C'est que là, pour le coup, on est sur une moto qui marche fort et qui freine fort et qui est plus engagé qu'un Electra ou même la version d'origine. Alors tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je roulais avec. Alors elle se roule en ville tranquille. Ça devrait être les low-S devraient fonctionner comme ça. Les low-S, si vous nous regardez à Milwaukee, devraient marcher comme ça. Après, on sait pas, hein, leur nouveau moteur, là, on n'en a pas parlé, mais tu sais, avec les arbres à cam bizarres et tout, on sait pas ce que ça donne. Distribution variable. Distribution variable, peut-être que ça marche très fort. Hein.
en 121 et tout. Apparemment, de ce que j'ai, de ce que j'ai entendu, on n'aura plus de prépa moteur à faire. Peut-être pas pour l'instant. Bah, de ce que j'ai entendu, il y a deux versions. Il y a justement une version avec ce fameux arbre à cam variable et une autre version sans les arbres à cam variables si tu veux faire des stages de poussée et tout. Mais arbre à cam variable, c'est comme les voitures VTEC, là, tu vois, t'as en bas, t'as en haut, t'as de partout. Là, on est sur du geek. On est sur du geekage. C'est prévu pour quand? C'est déjà en cours. C'est sur les nouveaux CVO et tout, ils ont ça. Moi, pour moi, il n'y a plus rien à dire. Je sais pas, si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Très heureux de retourner sur les plateformes. Oui, ça me fait plaisir. On n'était pas là depuis un moment. Bah, on avait beaucoup de boulot. On a toujours énormément de boulot. Il y a eu des petits changements en interne. Je vous ferai une petite vidéo avec toute ma news équipe. Abonnez-vous pour la newsletter. Non, t'as un beau réflexe. Abonnez-vous, oui, bien sûr. Faut toujours s'abonner. Vous nous retrouvez aussi sur la cloche. Activez la cloche. Qui se trouve là. Tu sais qu'il est en train de me lécher, il y a le micro, ça se trouve là, ça se trouve depuis tout à l'heure, c'est un culinaire. La ASMR. Je déteste ça, la ASMR. Moi, j'adore. T'as vu les trucs en ce moment qu'il y a? J'adore. C'est ceux qui bouffent là. Non, ça, c'est un autre délire, ça, c'est un truc de pervers. Bon, on va finir là-dessus. La vidéo va être longue parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu sur les réseaux. Et ça me fait plaisir d'être revenu avec deux belles bécanes comme ça. Et on va vous ramener encore notre belle bécane. Et on vous fait une petite promesse d'être là un peu plus souvent. On va éviter les décalages de 6 mois entre deux vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah j'en pense que du bien. Ouais, si t'en penses du bien, il s'est carrément endormi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette moto vous a plu. Nous, je pense qu'avec Gaëtan, vu qu'il fait beau, on va se barrer. On va se faire une petite balade. Profiter du temps. Là. On va jouer du gyro et moi, je vais jouer du pneu. Hein, du filet de gaz. Je vous fais des bisous, les amis, et ça m'a fait plaisir. À bientôt. Ciao. Ciao.